Et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 sur la Ligue Celtique avec Damned et Tiberians. Bonsoir les gars. Bonsoir. Yo. Et on se retrouve, eh bien, un peu dans le mal de mon côté, hein, faut bien le dire, à cause de ces enfoirés de réformés. Alors on va regarder ce qui se passe en Bretagne de notre côté aussi, en prenant la carte des religions et voir que c'est la merde, et que c'est la merde, et ouais. Qu'il y a des foyers qui ont popé, et ça pop en Armor, ça pop au Cotentin. Ouais, c'est le foyer de Namur là, il est en folie quoi, c'est absolument... Ah ouais putain, ah ouais, Namur. Oh la vache. Ouais, ça me dit que c'est celui de Namur qui convertit, je sais pas pourquoi mais... Ah moi ça me dit pas, mais c'est juste non, que ça convertit... Ouais. Grave. Ah ouais, en fait c'est quand elle est convertie, ça te dit ouais c'est à cause du foyer de Namur. Et pourquoi moi, tu sais, enfin je sais pas, la France elle est pas réformée, pourquoi il vient me faire chier quoi, c'est ouf. Il a pris la contre-réforme peut-être le français. Bah je viens de la prendre là, donc on va voir. Ok, bah écoute, bon courage. Mais c'est vrai que du coup j'espère que tu vas garder tes problèmes religieux de ton côté, que tu ne vas pas transmettre ça. Bah par exemple dans notre île. Ouais, surtout que la Bretagne, il y a des parties bretonnes en Angleterre, donc. J'ai envie de dire, je ferai ce que je peux. Oui. Fais déjà ce que tu peux. Ouais. En espérant que ce soit assez, ce que tu peux. Bon, ah, du mais coup, on peut Milan, mettre le journaux fort maintenant. Bon, bah, Milan, allez. Espagne, Autriche. Je vous invite ou. Bah, du Attends, coup, si vous avez besoin de moi. C'est la question. Milan, Ravensburg, si Toscane. C'est ça. Oui, bah tu peux m'inviter au pire si tu veux, mais je pense que bah si tu m'invites, parce qu'on va essayer de le comment de l'humilier. Breton, oui, non, bof. Bah y a pas la Bourgogne. Attends, y a qui? Non, y a Toscane et Ravensbourg et Milan. Y a pas Brabant? Non, Brabant il veut coup, pas. Non, ça m'intéresse pas. C'est parti. Ouais, non, faut que j'économise pour les forts, faut que j'ai des forts costauds pour la. Pour alors la France, j'accepte hein. Évidemment, mais je vais tout de suite rebaisser la maintenance parce que de toute façon, il n'y a pas besoin que je participe plus que ça. Le travail va être fait par d'autres que nous. Nous sommes dans le Nouveau Monde en train de faire business. Alors, notre business de quoi exactement? On va aller regarder aussi ça. C'est bien de savoir ce qu'on vend un peu. Alors, moi, je viens juste d'avoir une colonie qui fait de l'or et ça, c'est plutôt cool. Alors qu'est-ce qu'on a nous? On a du tabac, pas mal de fourrure, pas mal de poissons. Tabac, fourrure, poisson surtout, hein, on a pour l'instant. Oh, on a un petit peu de café de notre côté quand même, c'est plutôt cool. Le fameux ivoire également du Groenland, où je me suis fait fumer aussi pour mon manque de culture totale. Parce que j'aurais dû savoir qu'il y avait de l'ivoire. Au Groenland, mais c'est pas grave. Offre d'alliance de la Suède, oui, bien sûr, oui, Suède. Bienvenue, Suède. Ils nous aiment comment? Ouais, il faut peut-être qu'on fasse plutôt ça, en fait. Viens là, toi, reviens. Mais ça, limite, ça c'est bien, hein, parce qu'en fait, on va humilier un de nos rivaux, et derrière, on est en train d'occuper l'Espagne à autre chose, quoi. Ouais, complètement, ouais. C'est très bien, hein. Pareil, que l'Autriche, elle prenne des coups dans la gueule, ça nous va très très bien. Si jamais l'Autriche, elle prend trop de coups dans la gueule, on attaque le Brabant. Je pense qu'il faut pas hésiter à bouffer. C'est quoi, un peu c'est quoi la guerre Ah oui, il est en guerre avec vous, l'Autriche. Ok. Les Amazones. Non, merci. Bon bah voilà, le Cotentin et l'Armor sont passés réformés. Eh bah félicitations. Ouais, je suis hyper heureux. Ou pas. Je sais pas si ça se voit dans le ton de ma voix, mais... Des céréales, c'est de la merde. Mais t'es à combien là? T'es à 50% non de... Ah putain la France, saloperie. T'as j'ai combien de pourcents d'unité? Je suis à combien de pourcents d'unité? Ah oui non mais là je vais, ça va... Enfin j'ai plus tu de désastre. Juste, si vous mettez la vitesse à 2 si ça t'embête pas. En soi c'est pas que c'est ingérable mais ça me fait des tout petits lags, je sais pas pourquoi. Et du coup, voilà merci, c'est beaucoup plus agréable. Surtout que l'autre il veut déjà sortir de la guerre à Ravensbrough là. Ravensbrough. Ouais, ou Ravensburger, j'en sais rien. Je suis à 45% d'unité. Ouais, c'est un peu l'ennui ce pays quand même.
Bon, je pense que dès qu'on aura pris l'institution, on va prendre deux techs de chacune des styles, en fait. On va prendre deux techs de chaque. On va tout passer à 15, ça va être très bien. Là, je suis resté à 13. Il y a la France qui fait sa maligne, là. J'aime pas beaucoup ça, moi. T'aimes pas très bien ça? Ouais, elle a pris plein de territoires aux natifs, là. Ça me fait un peu chier. Intégration du Brésil-Portugais. Elle pensait pas à mal. Oh bah, je pense que si, à mon avis. Hein, mais... Si, elle pensait à mal. Quelque chose me dit que, ouais, elle pensait carrément à mal. Ouais. Étant donné que je lui grave à mal. Je lui ai passé sous le nez comme un gros connard, à mon avis. Ouais. Elle pense complètement à mal. Ouais. Je lui ai piqué la plata. Frontière. Irlande ne revendique plus Somerset. Oui, j'ai pas à voir 50%, enfin, moins 50 avec la Bretagne, c'est bon. Par contre, sache que tu nuis gravement à mon prestige. Bah écoute, je suis bien désolé, mais t'avais qu'à pas avoir des revendications chez moi, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est ma mission, je revendique toute l'Angleterre, en fait. Tu dois revendiquer toute l'Angleterre, hein ? Je revendique déjà toute l'Angleterre de base depuis tout le temps et pour tout le temps. Ah, c'est des revendications permanentes, ok. Ah, putain. Ouais, c'est des revendications magiques de la mission. C'est comme ça. Que veux-tu ? Je sens que tu souffres, quoi. What ? Ah putain, des rebelles, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, sans déconner. Je me disais pourquoi j'ai une défaite, mais... Il y a des saloperies de rebelles qui ont popé sous mes pieds, quoi. Les petits enfoirés. Ah, on va pouvoir taxer l'argent qui nous manque, je pense, aux bourgeois très bientôt. Le 19 octobre, normalement, on va avoir l'institution. Donc je mettrai la pause, je ferai institution, passage de toutes les techs, prise d'une nouvelle doctrine. La doctrine que je vais prendre, toujours dans l'optique de passer en république, du coup je vais me concentrer vers le régime oligarchique, et je pense que je vais prendre les doctrines soit aristocratiques, soit d'influence. J'ai pas encore tout à fait choisi. Les aristocratiques, elles sont pas mal, notamment pour un coup des techs réduit, c'est quand même propre. Coup des techs militaires réduit, c'est cool, quoi. Ouais, j'avoue. Alors du coup, je me tâte, hein, les doctrines humanistes, du coup, elles sont devenues vachement intéressantes d'un coup, quoi. Après, les doctrines d'influence. Le truc, c'est que, est-ce que les colonies, c'est des vassaux, vraiment ? Bah, je sais pas comment c'est compté, ouais. Est-ce que c'est considéré comme des vassaux ? Ils te versent de la thune, hein, donc quelque part... Ah non, si tu regardes en bas, si tu vas dans les dépendances, t'as revenu des colonies avec un pourcentage et t'as revenu des vassaux en dessous. Donc c'est différent. Ouais, c'est pas pareil, hein. Non, c'est pas pareil du tout. Voilà, donc ça sert à rien l'influence pour moi, donc on partira en aristo. Pas le choix. Bon bah du coup ce qu'on va faire nous c'est qu'on va essayer d'agrandir nos colonies. Elle passe comment la guerre? Pourquoi on a moins? Qu'est-ce qui branle? Parce qu'on contrôle pas encore Milan, mais c'est une sœur échangée. Ouais, et puis les teutons sont en train de faire mal aux gens là. Enfin les Autrichiens. Alors vous pouvez voir, l'Écosse a débarqué, hein. Voilà, je le montre aux gens qui n'arrêtent pas de dire la Bretagne, nanana, première ligne, nanana, voilà, l'Écosse a débarqué. Oui, sauf que là ils vont te dire que c'est pas une guerre qui te concerne et qui concerne l'Alliance, donc ça compte pas. Bah, je l'attends arriver. Vous êtes deux dedans. En même temps, l'Écosse, elle est tech 12. Les autres, ils sont tech 14. Donc, elle fait. Ouais. Voilà. Je pense que l'Écosse, elle débarque pas trop. Je comprends pourquoi, quoi. C'est vrai que ça joue un peu. Oui, pause. Alors, ouais. J'adopte. Ouais, avec une marine digne de ce nom, ce sera mieux aussi. Alors, notez que comme j'ai adopté et que j'ai mis la pause, j'ai toujours 1200 points. Même si je suis à 900. Vous voyez, disparaît pas les points en surplus. Hein. Très très intéressant de mettre la pause quand t'es en trop. Ouais. Ensuite, donc, tech militaire, crac, en v'là une. Tech militaire, crac, en v'là deux. Une tech diplo, deux tech diplo, une tech admin, et bah pas de tech admin parce qu'on est un peu juste. Ah, on bien joué. Ah, j'ai pas pu prendre les deux d'un coup. Ok, donc on est passé du coup à 14-15-15. Gros changement dans... Ah la vache. Gros changement. Ah, tu m'étonnes. Et donc on va prendre, comme j'avais dit, les doctrines aristocratiques.
Ouais. Tu souffres d'amnesie. Essayer d'améliorer ça. Oh bah, technologiquement, 11-10-12, ouais, je souffre, ouais. Ah ouais. Ah oui. Ouais, ça fait mal. Ouais. Bon, après, j'ai pas encore passé le truc, je vais me rattraper un peu quand même, mais bon. Mais quand même. Oui, tu vas t'en sortir. J'ai toute confiance en toi. Allez, 1000 ans, c'est pris. Pouf, déjà, ça monte. Alors tout ça, c'est très très bien. Donc moi, je voudrais... exiger 74 du cas, on va commencer comme ça, oui. Il a perdu sa capitale, ça lui a fait très 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 mal. Je pense qu'on va y aller mollo. Je vais y aller mollo, je pense. C'est-à-dire que... on fasse ça. Elle va jusqu'à quand notre trêve ici là? Je vais lancer qu'une colonie par une colonie. Histoire de pouvoir développer le pays et d'avoir un petit peu de thunes pour développer le pays. J'apprécierais notamment faire certains gros travaux à Cork. 36 de développement, il faut quand même que la province elle soit blindée en termes de bâtiments, quoi. Ouais, c'est triste. Faudrait peut-être faire des manufactures, mais... Ouais, c'est ça, les manufactures, ouais. Et puis faut pas oublier que, enfin c'est peut-être un peu moins important pour vous, mais il y a les châteaux de level 4 aussi qui sont arrivés, quoi. Ouais, c'est oui, vrai que... Là, pour l'instant, les châteaux de level 4, non, c'est carrément pas trop, ouais. Trop mon problème. Moi, avec la France à côté, je suis un peu obligé d'y penser, quoi. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, bah c'est pareil, on va prendre 33 d'autonomie partout. Ah, ils sont relous, tes nobles, hein, la vache. Ouais. 33 à Connac, à Sligat, à Leggin, à Montgomery, à Gloucester. Plus 33. Boum. Ou alors, 10 régiments, 7 régiments, 8 régiments. Ouais, ça pique. Voilà quoi. Mon armée est pas là. Non, bah non. Pas possible. C'est juste pas possible. Je vais mettre les édits de. D'accroissement de la centralisation. Putain, un peu même avec la contre-réforme, ils me convertissent toujours. Mais pourquoi ils me convertissent moi et pas la France? C'est insupportable, ce putain d'événement pourri. C'est assez ouf. Allez, accroissement de la centralisation partout. Putain. Ça va coûter un peu la peau du cul, mais c'est pas grave. Mais il faut que ça s'arrête, là. Ouais, attends. Qu'est-ce que tous ces trucs-là? Qu'est-il? J'ai plein d'événements qui ont popé là. Assimilation des indigènes, c'est cool. Ok, ça on s'en fout. Qu'est-ce qui se passe? Les nobles, les clercs. Les clercs perdent 15 en loyauté. C'est un peu violent. Ouais, mais on peut se permettre. C'est quoi ça? Parce que ah bah oui, chier. Oui. Hop là. Et on gagne plein de sous, du coup, on va pouvoir améliorer nos bateaux. Hop là, c'est parti. Ouais, je pourrais améliorer les bateaux, mais pour l'instant, c'est un poil cher. Et en fait, il faut que j'améliore de toute façon mes revenus avant toute chose, parce que c'est vraiment là que ça pêche. C'est vraiment les revenus. Il faut que le revenu soit augmenté d'une façon ou d'une autre. Ah ouais, quand même, hein. Ouais, on peut faire ça. Ouais, moi, là, les revenus, enfin... moins 40% d'impôts à cause de cette putain de foi de réformer, quoi. Ouais, ça fait mal, ça. Modif de production locale, moins 42%. Modif local d'impôt, moins 42%. Ça pique. Ah, la vache, quoi. Ah, par contre, je viens d'obtenir mon deuxième plus 5 en discipline. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Toujours bien, ça. Donc là, en discipline, on est monté à combien? Discipline, on est à 110%. Pas si mal. Ouais, 110%, c'est propre. Hein. Ouais, ça commence à être pas mal, 110%. Bon, bah, eux, on est en trêve avec eux jusqu'à quand on a dit 85. 85? Oh! Mais dis donc. Ah merde, putain, la grippe, oh, fait chier.
Le jeu il me fait ah tu peux prendre une doctrine, bam, événement pourri, tu peux plus. C'est cadeau. De toute façon faut qu'on économise pour les techs, y a pas ouais, je vais essayer de terminer les doctrines économiques moi avant de remonter ma tech admin. Ah puis il est relou le jeu avec cette petite musique de conversion là, tata ta, t'as réussi une conversion, ouais sauf que c'est la foi réformée. On va bah, sur le continent il y a plus que le Nantais qui résiste. C'est ça. Fuck quoi. Je pense que si ma capitale tombe, je vais devoir me convertir quoi. Ça va être la fête. 32% d'unités religieuses, tout va bien. Elle occupe quoi la Toscane? J'ai pas fait gaffe. Le temps de la censure est venu. Propagation des institutions, moins 5% partout? Bah non. Sympa. Il est venu le temps de la censure. Gain de 50 propagation et par contre je gagne de l'agitation locale sinon. Plus 6. Pourquoi il débarque lui? T'es en guerre contre oh, qui mec? Chiant. Période de guerre c'est toujours la merde ça putain. Est-ce qu'il serait pas Louisiane cette espèce de ouais, de cul? Ouais tant pis vas-y on va prendre ça. Je vais me casser les couilles. Vous pouvez venir là vous? C'est qu'il est complètement Louisiane l'espagnol là. Ah merde. Je vais regarder ça plus en détail mais j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut payer l'armée? Absolument. Ah, l'Espagne est son premier grande puissance du monde. Ah oui, allez, d'accord. Ah bah ouais, tu m'étonnes, ça m'étonne. C'est... Ouais. Ça calme. On va faire attention. Oh là là, nos revenus sont tellement cassés la gueule, putain. Ouais, là je suis en mode colonisation limitée. Donc du coup, je suis à plus 7. Oh là là, eh, l'amiral de la flotte espagnole 6-3-3 quoi. Ah ouais, bah c'est la violence. Tu comptes leur taper dessus? Non, mais. Et bah, voilà. Ça tombe bien. Ouais, n'est-ce pas? Ouais, voilà, ça tombe plutôt bien qu'on tape pas dessus. Droit de douane pour la fourrure. Vas-y, taxons. Eh ben, le Mexique revient du Mexique à l'Espagne. Revient à l'Espagne, ouais. Ah putain. Ouais, c'était obligé ça. Bah nous avec la France on va se battre pour le haut Pérou je pense encore. Ah bon tant pis, il faut que je colonise plus vite que ça parce que j'ai peur que... La colonie du Canada revient à l'Écosse. Bien joué. Ça y est. On va appeler ça le Canacos. Je ferai pas de remarques. Si vous avez des noms pour la Plata bretonne, n'hésitez pas d'ailleurs. La Platone. Oh, coup de Canacos. La Platone, ouais. Vice-roi corrompu. What? Ah ça y est, je vais pouvoir adopter la réforme. Plus 2 en inflation, mais va crever putain, c'est qui le vice-roi? Gouverneur Berak Fitzmaurice. C'est un Fitz quelque chose. Encore un. De toute façon, tous les Fitz de quelque chose vont toujours casser les noix dans cette partie. Surtout tes rois. Surtout les miens. C'est quand même largement les pires. Noblesse bretonne qui gueule, hein. Non, mais sans déconner. Bon, je pense que la guerre va pouvoir s'arrêter là. Moi, est-ce que. Pff, sortir la Toscane d'abord? C'est quoi ce truc? C'est un château, ça? Bon, bah, je pense qu'on va aller débarrasser le Cusco de ses rebelles. Bon, remarque, on va attendre un peu. On va attendre un peu de bien prendre la Toscane, comme ça. Alors, Cusco, allez, qu'est-ce que je voulais faire? Payer l'armée. Oh putain, mais. Blé que ça coûte, quoi! Nouvelle terre disponible. Ouais, on augmente les impôts, c'est parti. Un endroit qui est pas réformé, on va augmenter les impôts. Parce que ça se passait trop bien. Allez, il faut que ça tombe, la capitale de la Toscane. Bah non. Ça avance. Ouais, mais de toute façon, c'est pas comme s'il y avait le moindre risque, quoi. Ah non. Ouais, voilà. C'est qui les... On est quand même pas emmerdé quoi. C'est eux, ils sont. Surtout toi. Ah oui, bah surtout moi, oui, c'est sûr. Allez, c'est parti pour une petite guerre. Dans la catégorie des pas emmerdés, je me pose là. Oh, une guerre contre Cusco carrément. Ah ouais, là c'est la folie. Cela dit, je suis à 15% de participation dans la guerre, l'Autriche 39 et l'Espagne 41. Bah en même temps, je vais avoir zéro thune, hein, mais c'est juste que je vais gratter peut-être quelques points de démonstration. Puis de toute façon, c'était un truc qu'il fallait faire.
Oui, oui, non, mais t'as raison. Les mettre mal, je pense que c'est quelque chose de bien. Oh, par contre, on perd du blé, hein, pas de miracle. Est-ce que je devrais pas? Ah non, je devrais pas. Ah, quoique. Je me pose la question de savoir si, si je découvre un peu la zone ou pas. Ah, pardon. En haut, il est renfort là-bas, en fait. On va laisser cette merde au bordel. Ah, la Nouvelle-Espagne. Il y a des rébellions. La Somerset s'est convertie à de la foi réformée. Bah, ça valait bien la peine d'augmenter les impôts aussi. Le Somerset ? T'es en train de me foutre bordel sur l'île, là ? Ah bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Putain, il y a des endroits chez moi qui sont en train de se convertir aussi, du coup. Bah oui, je peux rien faire. Je peux rien y faire. Ah putain, un foyer qui est en train de se fabriquer en Montgomery. Ah merde. Sinon, faut essayer d'aller taper sur la Bourgogne. C'est son foyer à Namur qui fait chier, mais... Est-ce que ça change pas ? On peut pas faire de guerre de religion ou quoi que ce soit, donc... Tu veux pas faire de guerre de religion ? Bah, j'ai essayé, j'ai pas de casus belli guerre de religion contre lui, j'ai juste humiliation d'un rival. Ouais, parce que là, je suis à moins 4 en tolérance des hérésies, ça va être le drame total. Ah bah, moi, ça gueule, hein, les gens. Hein. Enfin, ils gueulent doucement, mais ils gueulent. Il va me mettre le bordel en Irlande. C'est ouf, ça. Ah, mais j'ai prévenu, hein. Y a pas que moi que ça fait chier, hein. Pas croire. J'aurais jamais passé la Manche si t'étais pas là. Je veux pas dire, mais... Et la mais France est en guerre contre la Bourgogne. 96%. Ah, je vais peut-être pouvoir sortir la Toscane, là. Oui. Vas-y, sors la Toscane. Oh putain, le blé. Ouais, mais c'est pas nous qui allons le toucher, de toute façon. Ah bah... Ça, moi, ouais, j'en touche un petit peu. Ah, c'est toujours ça de prix. Ça. Bon, on va aller se poser sur le fort. Un petit peu, puis des repas de guerre. Ça, par contre, c'est moi. Donc, je négocie bien que pour eux. Ok. Voilà, Milan 100%. Allez hop, le fric. Et l'humiliation, surtout. Bah, bien sûr, l'humiliation. La réparation de guerre. Je veux dire d'abandonner ses revendications en Autriche pour les remercier, parce que je pourrais faire d'autres. Hollande, France, Palatinat. Le Brabant est en guerre contre la France. Ah oui. J'ai gagné 30 en démonstration de force, je sais pas combien t'as gagné toi. Moi 0, ça m'a servi à rien, mais au moins ça te prie. Oui. Bon ben voilà, merci, au revoir. Bon, attendez, excusez-moi, je vais me permettre, je vais mettre la pause, parce que là, je peux prendre mon institution, mes technologies, parce que c'est un bordel sans nom. Fais-toi plaise. On pourrait pas taxer des points aux gens, là. Ah, ouais, ah oui, c'est pour ça qu'il faut mettre pause, parce que oui, c'est vrai. Oui, c'est bon, j'ai gardé mes points. Ouf. Bon, bah alors, on va passer de 11 administratives à... Ouais. Bah, à 12. Génial. Diplomatique, on va passer à 12. Voilà, ouais, tellement à la bourre, quoi, putain. Et militairement, à 14, quasiment 15. Je suis à la porte du 13 en administratif, je suis à plus de la moitié du 12 en diplomatique, et je suis à la porte du 14 en militaire. Voilà. Et j'ai tout claqué. Et je suis à 300, 200 et 319. Bon, c'est déjà pas mal, hein. On se rattrape quand même, hein. Et je suis repassé une grande puissance. Bon, c'est déjà ça. 8ème, mais c'est mieux que rien. Bon, bah nous, l'objectif, ça va être de prendre un max de ces cons, là. Écosse est une grande puissance, félicitations. Ouais, je viens de repasser, mais je suis 8ème, hein. Je suis à la limite. Hein. Je pense que ça va pas forcément durer longtemps, mais bon. Allez, on va s'occuper de ces armées, ça sera fait. On fera les sièges plus tard, après tout, c'est pas ce qui va être compliqué. Oh, fait du bien. Et donc, niveau fric, combien il me donne en tout? Bah, plus 8 par tour. Bah, écoute, bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Plus 8 par tour, plus 4, bah ouais. Moi, c'est la dèche au niveau du pognon. Alors, moi, c'est pareil, j'ai dû abandonner un colon là parce que c'était. C'était vraiment trop la douleur. On arrive à où lui? Ah putain, je peux pas aller là du coup. Forcément, je suis coincé. Bon, je repasse en vitesse 3 hein, du coup, vu que.
On n'est plus en guerre. Je parle pour toi. Ça. Ah, me fais pas tomber cette colonie, enfoiré. Ah, il y a des troupes qui arrivent, je peux pas passer. Merde. Non. J'ai même pas vu, est-ce que je pourrais améliorer des bateaux, je ne crois pas. L'urbanisation. Ça a l'air intéressant, ça. Gagner un fiscal brut sur quatre endroits, ouais, allez. Je prends. Lui, il se casse, donc on va le poursuivre. Et là, j'ai toujours pas de navire amélioré, bon. Bon, moi je les ai pas améliorés, ça me coûte trop cher ces conneries. Pour l'instant, ouais, ça me sert à rien de les améliorer, je le fais pas. Voilà, on va les défoncer comme ça. Ils tombent dessus avec le malus, c'est parfait. Donc on va défoncer cette deuxième. Ok, donc voilà, ces armées là, elles ont pris une tatane. Conversion achevée, ouais, bah ça va être la merde chez moi du coup. Putain! Putain de réformés quoi. Ah ouais, non, mais ils sont relous. Hein. Très très relous. Par contre, les canons, on aurait peut-être pu les laisser faire le siège, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? J'avoue que ça aurait été bien qu'il y ait une petite guerre qui pète, hein, quand même, pour les religions. Ah bah, il faut, là, faut qu'ils arrêtent de faire le con. Hein. Bah, surtout là, hein, ça commence à se propager beaucoup. Ah, on a le colonialisme contre la plata française. Très très bien. Fait chier, hein. Quoi. Ça va foutre la merde. Ça va foutre la merde, mais tellement. Bon, ça c'est pas rentable, j'attends toujours pouvoir se faire ce truc là, mais ça met trop de temps pour économiser à 5 par mois, c'est vraiment trop. Allez, fou. On va passer 15 ans militaire en pleine guerre, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le Canacos, on va améliorer les relations avec eux. Oh putain, il est trop bien mon gouverneur quoi, oh là là, ça pourrait pas être mon roi ça, tiens. Ouais, ils sont à quoi 40%, et voilà, ça suffit, ça va pas gueuler les mecs. L'Espagne est en train de se faire défoncer. Ah, monde, c'est ridicule. Dans le nouveau monde, ouais, parce que, d'accord. Oui, bah évidemment, dans le nouveau monde. J'avais peur, hein. J'étais zoomé, je fais quoi Ah ouais, putain, la vache, effectivement. Ouais, ouais, mais marcher dessus. Il commence à débarquer. Bon, par contre, on clôture là. Il a 30 bateaux de transport qui arrivent, à mon avis. Je suis passé 15 ans militaire, ça me va très bien. Ok. Parfait, je viens de terminer mon siège, donc c'est propre. Pas si mal. Et ben ouais, on arrête là. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Un petit peu d'action, un petit peu de bougeotte, tranquillement. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous laisser un petit j'aime, à nous dire ce que vous en avez pensé de manière générale. Et bah du coup, on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Merci à tous.